au Cameroun. For those who don't know me, I am Agbo Boniface Etta. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boniface Etta. I have served as a student pastor in Focus School for 30 years. J'ai été pasteur à l'église du plein évangile pendant 30 ans. And I did not leave them. Je ne les ai pas quittés. They sent me for. Mais eux, ils m'ont relâché. Hallelujah. Yeah. I'm here tonight to talk about something that I've done a great impact in our country. Et je suis là ce soir pour parler de quelque chose qui a été fait et qui a marqué notre pays. Papa Billy Lubaza came to Cameroon as a diplomat to Pan Africa Institute. Papa Billy est venu au Cameroun comme un diplomate à l'Institut panafricain. And he became an evangelist. Et il était un évangéliste. Preaching in crusades. Prêchant dans les croisades. Almost everywhere in this country. Presque partout dans ce pays. And in 1992, he came up with the conference. Et en 1992, il a présenté l'idée de la conférence. For those who don't know, Papa Billy is the author of conferences in Cameroon. Et pour ceux qui ne le savent pas, Papa Billy est le pionnier de la conférence au Cameroun. Tenez-vous debout et acclamez le Seigneur pour cela. Hallelujah. We knew of crusades and conventions. Nous connaissions ici les croisades et les conventions. The word conference did not exist in the church circle. Le mot conférence n'était pas connu ici dans le milieu. The first idea of a Christian conference was born through the ministry of Papa Billy in Cameroon. La toute première idée d'une conférence chrétienne est née par le ministère de Papa Billy au Cameroun. And every senior pastor in Cameroon, et tout pasteur doyen ici au Cameroun, has been impacted by the ministry of Dr. Papa Billy. A été marqué par le ministère de Papa Billy. Every senior pastor in Cameroon, tout pasteur doyen ici au Cameroun. Hallelujah. Amen. And for me, I'm a founder of World Mission International worldwide. Moi, je suis le fondateur de World Mission International dans le monde. World Mission is a registered trademark. C'est une marque déposée. For those who are in the state of Maryland. Et c'est basé au Maryland. So with the authority that is given to me as the founder of World Mission International Worship Center. Alors par l'autorité qui m'a été conférée en qualité de fondateur de World Mission International. We are here tonight to offer two awards. Nous sommes venus ce soir pour offrir deux récompenses. I want first of all to welcome George. Juge Verandassa. Une prédicatrice. A judge. Un juge. Who has, without shame, stood for the gospel. Qui sans honte aucune s'est tenu pour l'évangile. Preaching the gospel from north and south, east and west in this country. Prêchant l'évangile dans les quatre coins de ce pays. Standing behind sponsoring programs like this. Et elle a sponsorisé des programmes comme celui-ci. She has defended her faith and given pride to the Cameroonian Christian woman. Elle a défendu sa foi et honoré la femme chrétienne camerounaise. Tonight, on behalf of World Mission International. De la part de World Mission International. We present to you my Judge Vera Gassa. Nous te présentons Juge Vera Gassa. A medal of honor. Une médaille d'honneur. May God bless you. Que Dieu te bénisse. And continue standing for the gospel. Et continue de tenir pour l'évangile. You make the church proud of the gospel. Tu as rendu l'église fière d'être de l'évangile. Congratulations. Félicitations. Thank you. 1 minute, please. 1 minute, please. 1 minute, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Wow. With the honor vessel for me as Bishop of World Mission International. Avec l'honneur qui m'a été conféré en qualité d'évêque de World War, and the international World Mission President of World Mission. Et le président international de World Mission. We hereby present to Dr. Papa Billy. Nous présentons Dr. Papa Billy. Can you stand up, please, and celebrate? Levez-vous, s'il vous plaît, now listen. Écoutez. Without Papa Billy, there will be no church growth. Sans Papa Billy, il n'y aurait pas eu de
croissance de lui. He changed the pastors of Cameroon. Il a changé les pasteurs du Cameroun. Through this conference, all of us came here and caught the fire. Au travers de cette conférence, nous sommes tous venus ici avoir saisi le feu. But every single pastor knew about church growth from this conference. Tous les pasteurs connaissaient au sujet de cette conférence. We present to you the Medal of Honor for Church Growth. Nous te présentons la médaille d'honneur de la croissance de l'Église. Félicitations, monsieur. Hallelujah. Amen. Keep praying for men and women of God who are making a difference. Continuez de prier pour les hommes et les femmes de Dieu qui font la différence. Hallelujah. Amen. Let me leave you with this one verse. Je vais vous laisser avec ce verset. 1 Thessalonians 5, verse 12 and 13. 1 Thessaloniciens 5, verse 12 and 13. Verset 12 et 13. Pathetic appreciation to their work. Be at peace among yourselves. May God bless them all. Nous prions, frère, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Merci. Somebody give Jesus a shout of praise. Hallelujah. Poussez des cris de louange à Jésus. I say give Jesus a shout of praise. Je dis poussez des cris de louange à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We are going to stand and thank the Lord one more time for our Africa. Land. Nous allons nous lever une fois de plus et remercier le Seigneur pour notre Afrique. Shall we stand to our feet? Tenons-nous debout. Come on, David. I love you, Jesus. If you take too long, we'll ask for a song. You take too long. I love you, Jesus. I love you, Lord. And it is what God decides. Et ce n'est que ce que Dieu décide. That what will happen. Qui s'accomplira. If God has decided that you shall be. Si Dieu a décidé que vous serez. Our prayer will cancel every magu-magu to make you not to become. Nos prières vont annuler toutes les manipulations pour vous empêcher de devenir. But remember. Mais souvenez-vous, we are standing before God, nous nous tenons devant Dieu, before the witness of heaven, devant les témoins dans le ciel. When you get there, quand vous y arriverez, remember God is Lord. Souvenez-vous que Dieu est Seigneur. And give God all the glory. Et rendez la gloire au Seigneur. And do not compromise. Et ne vous compromettez pas. You stand the life of God, the integrity of God. Vous tenez, vous vivez dans la vie de Dieu et dans l'intégrité. And make God to know He has a son. Et faites que Dieu sache qu'il a un fils. In Africa. En Afrique. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Are we going to lift our voices and pray for our brother? Élevons nos voix et prions pour notre frère. Thank you, Jesus. Le Dieu d'Abraham, God of Abraham, le Dieu d'Isaac, God of Isaac, le Dieu de Jacob, God of Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, le règne, le règne, rulership, la souveraineté, sovereignty, la puissance et le pouvoir t'appartiennent. Power and might belong to you.
Tu es le roi de toutes les nations de la terre. You are the king of all the nations of the earth. Le trône de chaque nation t'appartient. The throne of every nation belongs to you. Et tu le donnes à qui tu veux. And you give it to whosoever you want. Tu as donné le pouvoir à Nebuchadnezzar. You gave power to Nebuchadnezzar. Et il a régné. And he ruled. Tu as donné le pouvoir à Cyrus. You gave power to Cyrus. Il a régné. And he ruled. Tu as donné le pouvoir à Pilate. You gave power to Pilate. Et cela a été reconnu. And he was recognized. Et ton fils Jésus-Christ a dit ce jour-là. And your son Jesus Christ said on that day. Que si ce pouvoir. That if this power. Ne t'avait pas été donné d'en haut. Was not given to you from on high. Nous savons donc. We therefore know. Que tout pouvoir. That all power. Vient de toi. Comes from you. Et tu l'as dit. And you said it. Que toute autorité. That all authority. Vient de toi. Comes from you. Il y a un siège d'autorité à Bangui. There's a seat of authority in Bangui. En République centrafricaine. In Central Republic. Il y a ton fils ici. And your son is here. À genoux ici devant toi. Kneeling before you. Qui s'est levé. He rose. En disant que c'est toi qui l'as appelé pour aller à ce siège. Saying that you call him to occupy that seat. Si tu as parlé, if you spoke, tu te sentiras concerné. Then you will be concerned by this. Nous te prions donc ce soir. So we pray to you tonight. Avec le pouvoir que tu nous as donné. With the authority you've given us. Que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Say where two or three are gathered in my name. Tu es là au milieu de nous. There you are in your midst. Nous sommes ton Sénat. We are your seat. Amen. Yes. Amen. Et nous élevons ce nom devant toi. We lift up this man before you. Afin que ce que tu as dit. So that what you said. Ce que tu as proclamé. What you proclaimed. Ce que tu as établi. What you established. Se réalise exactement comme tel. Be fulfilled exactly as you said it. Nous n'ignorons pas les manœuvres des hommes. We don't ignore the manoeuvres of men. Nous n'ignorons pas les plans de l'ennemi. We don't ignore the plans of the evil. Mais ta parole. But your word. Ta parole. Your word. Est exaltée. Is exalted. Au-dessus de toutes choses. Above everything. Amen. 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 Yes, Lord. Elle contient en elle-même. And the power carries in itself. Tout ce qu'il faut pour qu'elle s'accomplisse. Everything it takes for it to come to pass. Quand tu as parlé, tu n'as jamais déçu. You don't disappoint. Nous décrétons donc dans ce lieu saint. We therefore decree in this holy place. Pour les élections à Bangui. That for the elections in Bangui. Seule ta volonté s'accomplira. Let only your will be done. Amen. Nous n'avons pas tous été dans ton conseil. We were not all in your council. Nous faisons confiance à notre frère. We just trust our brother. Qui a dit devant toi. Who said before you. Que tu l'as appelé. That you called à cette fonction-là. To occupy this post. Nous basons sur ça. And we stand on that. Nous l'établissons. And we establish him. Sur cette fonction-là. In that function. Au nom du Père. In the name of the Father. Et du Fils. And the Son. Et du Saint-Esprit. And of the Holy Spirit. Et tout. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Ask God to give the grace to be so real. Thank you.
Who go on, may you Lord anoint me. Father, help me, O God, to be effective. Help me to be a blessing in the life of O God, one another, O my Father. Anoint me, my Father. I pray that the right person will be in this class. The right person will be in this class. Hallelujah. I want to share on building team. It's a building team. You see, there is power in a good team. You watch the Nations Cup some few weeks ago. Which country won the World the Nations Cup? Wow. What happened? What sharing, please. They are the team that the team did a good job. Amen. Amen. You see, that is how ministry works. C'est comme ça que le ministère travaille aussi. C'est. You have a wrong team, you have wrong results. Si tu as une mauvaise équipe, tu auras un mauvais résultat. That's how churches work. C'est comme ça que l'église marche. You have a wrong team. Tu as une mauvaise équipe. A good player in a wrong team will end up. Un bon joueur dans une mauvaise équipe va toujours finir par sombrer. So soul winning has to do with people and team. Donc gagner les âmes a à faire avec les gens et une équipe. Because God sees beyond just you preaching to a soul, say repent. Parce que Dieu voit au-delà du fait que toi tu prêches seulement à une âme en disant repent-toi. What about repent? What next? Quand tu dis repent-toi, quoi de plus? Okay, so I want to study on building team. Donc je voudrais qu'on étudie sur construire une équipe. If I repent, I write the word building vertically. Si tu as un big, tu peux écrire le mot building, construire, bâtir. Vertically. Verticalement. Give some space between the letters. Et tu mets un espace entre les lettres, les différentes lettres. Write building team vertically. Écris verticalement building team. No. Be here. Continue your eye. Hallelujah. Amen. Now, when God calls you, quand God wants you to be a builder. Il veut que tu sois un bâtisseur. To build somebody's life. Bâtir la vie de quelqu'un. Evangelism and church planting is not just something you do one day and it disappears. L'évangélisation et l'implantation d'une église n'est pas quelque chose que tu fais en un jour et puis tu disparais. It's a commitment to build somebody's life. C'est un engagement à bâtir la vie de quelqu'un. You see, why are many churches ineffective? Pourquoi est-ce que certains de nos églises ne sont pas efficaces? Look at life, okay. Regarde à ta vie. If you have a personal coach, si tu as un coach personnel, you'll be better than this. Et tu seras mieux que ça. You have what? Si tu as quoi? The coach that says, Mommy, do I see you do like this on Monday? La manière que je te vois, je t'ai vu faire comme ça lundi. I see you do business, you can put your business this way. Il peut coacher ou conduire tes affaires de ce côté. So a soul winner. Donc quelqu'un qui gagne les âmes. Who is effective in that ministry? Qui est efficace dans ce ministère. You have a vision to build lives. Doit avoir une vision de bâtir les vies. Now, if you just sow your seeds and go. Maintenant, si tu sèmes et tu t'en vas. The seed germinates.
La semence, Nobody to weed the grass. Personne n'est là peut-être pour enlever les mauvaises herbes. Protéger la semence. To protect the harvest. Protéger la moisson. So that's how a lot of preachers are just throwing seeds everywhere. They are busy everywhere. But no change, no result. Comme ça que beaucoup de prédicateurs sèment partout, ils sont occupés partout, il n'y a pas de changement ni de résultat. So, for you to be effective in your ministry as evangelist and church planter. Donc, en tant qu'évangéliste et planteur d'église, pour que tu sois efficace, you need to decide that God give you the grace to build somebody's life. Tu dois décider que Dieu te donne la grâce de bâtir la vie de quelqu'un. To mentor somebody. Pour surveiller quelqu'un. Take an unbeliever. Prends peut-être un non croyant. Okay, take one unbeliever. Prends un non croyant. And begin to influence that man. Et commence à lui influencer. Amen. Amen. You see, God has given me some grace to win souls. Dieu m'a donné une grâce de gagner les âmes. I win souls even by accident. Même par hasard, moi je gagne les âmes. Okay, look funny, okay. Amen. Yeah, look funny. C'est drôle. Yeah, okay. Oh, there's a girl who's there in Bible school. Il y a une fille à l'école biblique. Kitty, yes, London. Yes, Kitty. I think 3 years ago, 4 years ago, I just came from flying from London. Quand il y a déjà 3 ou 4 ans que je suis Douala, I got a car to Mutengen. Douala, j'ai pris une voiture pour Mutengen. I dropped out, I said, I was at Boomers and Pago, one of the rest. Yes. About 11 p.m. something. C'était aux environs de 11. I saw a girl sitting in a plastic chair with big tubok, drinking. J'ai vu une girl assise sur une chaise en plastique. I just landed from the airport, you know. I walked to her, I said, I'm looking for a woman to marry, but I saw you beautiful, I thought you could be my wife. Je suis allé vers elle, j'ai dit, je cherche une femme à épouser, je t'ai vu tellement belle et j'ai pensé que tu pouvais être ma femme. I'm disappointed. Mais je suis déçu. At this time, you are drinking tubok, woman. À l'heure, si là tu bois. Okay.